Le souci, c'est que très peu de femmes sont impliquées. Déjà, même pendant les formations, le constat que je faisais pendant les ateliers, je me dis, on avait très peu de femmes. On a voulu cet atelier pour les femmes, par les femmes, parce qu'on s'est dit que c'était une occasion de pouvoir donner de la place aux femmes, qu'elles prennent le devant de manière ouverte, montrer leurs capacités, avoir la place qu'il faut en termes d'égalité de chance. On a lancé l'avis de candidature pour une période de 2 semaines. Mais je vous assure qu'en 2 jours seulement, on avait 350 personnes inscrites. Et on a identifié une cinquantaine de participantes. Et l'atelier s'est tenu sur 3 jours. En ligne, c'était formidable. J'étais très, très, très agréablement surprise, hein, par la qualité des participantes, par la qualité de leurs interventions. On s'est dit que ça allait être une tribune offerte aux femmes de pouvoir s'exprimer. Et je pense qu'on n'a pas eu tort de faire cela parce que voilà, elles se sont lâchées, elles se sont exprimées. On veut avoir de la compétence et montrer également que les femmes, elles sont capables. Et que c'est comme ça qu'on peut rehausser en fait le niveau en communiquant autour de cela.